Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un top 50 des plus belles cartes X du bloc X. Donc je suis très contente de pouvoir vous faire ce top parce que ça fait pas mal de temps que j'ai envie de vous le faire, mais je n'avais pas du tout assez de cartes parce que ces cartes-là sont beaucoup plus difficiles à trouver en oeuvre euh, que les cartes du bloc XY ou du bloc noir et blanc. Du coup j'espère vraiment que ce top vous plaira. Si euh, ça vous plaît, que je fasse des tops, n'hésitez pas à liker la vidéo pour en voir encore plus sur ma chaîne et dites-moi en commentaire la carte préférée parmi toutes celles que je vais vous présenter. Donc on commence tout de suite avec cette carte-ci. Donc il s'agit de Artico d'un ex. Donc c'est une carte promotionnelle, la 032 euh, du bloc euh, ex du coup. Donc voilà, elle est très jolie et c'était une carte qui était plus ou moins facile à trouver à l'époque. Euh, il me semble que c'était une carte qui était possible de trouver dans les Pokébox et aussi euh, voilà, à l'unité euh, distribuée en même temps que quand on faisait des achats par exemple. Euh, en l'occurrence, celle-ci, moi, pour vous raconter un petit peu euh, ce qui s'est passé, je vais vous le raconter parce que c'est drôle et ça fait longtemps, il euh, y avait une offre spéciale à Cultura et c'était euh, pour euh, genre 20 euros d'achat Pokémon une carte ex offerte et en fait la femme avait pas compris euh, ce qu'était une carte ex et du coup elle nous a donné le paquet sauf que c'était un paquet d'articles d'un ex un paquet de plus de 50 articles d'un ex donc du coup au lieu d'avoir une carte on s'est re retrouvé avec 52 articles d'un ex ce qui fait que cette carte on l'a en un nombre de fois mais incroyable voilà donc c'est très très drôle et on l'a euh, du coup beaucoup de fois en œuvre et euh, bah, du coup ils avaient plus de cartes après et donc elle a dû se faire virer sûrement à mon avis, mais euh, c'est pas grave, nous on était bien contents donc voilà pour la euh, 50e. Une petite anecdote en plus, la 49e et eh bien, c'est son copain Sulfura. Donc voilà, c'est tout simplement le deuxième oiseau légendaire. Je n'ai pas le Elector en promotionnel. Alors celle-ci n'est pas et euh, sous pochette et tout. Donc vous la verrez peut-être un peu moins bien. Euh, j'ai des cartes sous-sleeve, des cartes pas sous sleeve, Enfin euh, j'ai de tout. J'ai aussi des cartes qui sont à David que j'ai pris pour vous faire ce top. Donc là le sulfura est vraiment très joli. Je le préfère au articodor parce que l'articodor a un fond vert. Celui-là un fond bleu et un rouge avec les flammes. Vraiment très réaliste. J'aime beaucoup. Et c'est la 0,31. Voilà, donc très sympathique. Ensuite, nous avons Brou abam X, donc voilà celle-ci je l'ai mis là tout simplement parce que bon bah voilà ça reste une ex du bloc ex c'est une carte de euh, gardien de cristal il me semble euh, par contre je la trouve pas très jolie je suis pas très fan de bro -Bam à la base et le fond vert c'est vraiment pas mon truc mais voilà j'ai voulu quand même la mettre dans le top parce que ça reste une carte ex du bloc ex avec les bords argentés d'ailleurs si euh, vous voulez savoir si vous avez vous des cartes ex du bloc ex c'est tout simple à partir du moment où vous avez juste le ex écrit de cette manière là donc pas en majuscule euh, comme dans le bloc noir et blanc vous voyez pas genre euh, pas genre comme ceci, voilà. Je vous montre un petit fleurisard Pas genre comme ça, mais genre comme ça. Si vous avez cette version là, c'est que vous avez une ex du bloc ex. Voilà, donc c'est plutôt cool, euh, je trouve. Donc voilà pour ce brouhaha. On est reparti avec Fenard ex. Donc je vais pas vous dire à chaque fois la numérotation parce que euh, je vais très vite m'y perdre. Voilà, c'est comme ça à tous les tops de toute façon. Donc Fenard, très joli. Je l'ai eu pour rien du tout il y a quelques temps. Il me semble 14 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, une ex du bloc ex en neuf à ce prix là, c'est vraiment très très bien. Euh, c'est un peu. Euh, en fait, c'est un peu. Pff, ouais. J'aurais dit c'est les mêmes prix que les cartes du bloc noir et blanc et tout, mais en fait, non. Euh, parce que les, les cartes commencent à prendre de la valeur. Mais il y a quelques temps, on pouvait les trouver pour pas si cher que ça euh, sur eBay, sur le coin etc. Voilà. Moi, j'ai tout eu avant euh, que les prix commencent à augmenter. En tout cas, elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup le fenard et les yeux, là, vous voyez, les yeux du fenard, en fait, qu'on voit en. En, en second plan mais qui vraiment sont vraiment super sympas et puis euh, voilà la carte est très jolie de toute façon elle parle d'elle-même mais euh, je l'aime bien et puis le type feu, les bords argentés qui rendent aussi super bien donc voilà pour cette carte et c'est une carte de légende oubliée pour ceux qui se le demandent. Euh, comment je sais à chaque fois hein, de quelle extension il s'agit, tout simplement avec le petit logo qui se trouve là, chaque extension a un logo différent voilà ensuite nous avons Kyogre X promotionnel donc la 037 donc celle-ci aussi il me semble qu'on pouvait la trouver dans les pokébox euh, gardien légendaire donc qui était euh, Kyogre Groudon et Rayquaza à l'époque il y a pas mal de temps au début de ma collection il me semble même que c'était mes deux premières ex j'avais acheté le Kyogre X que vous voyez là et Groudon X aussi et euh, bien ça me fait très plaisir de les avoir à l'heure actuelle je les avais eu pour genre 10 euros en achat immédiat en oeuvre c'était une superbe affaire j'étais vraiment très très contente et d'ailleurs je crois que j'ai mis le Groudon juste là. Donc ça me fait super plaisir d'avoir du coup euh, les deux cartes dans ma collection. Le Groudon est aussi très joli. Je vous le montre de plus près. Elle est vraiment super belle cette carte de Groudon. Donc on le voit de dos. Avec son petit taille qui est en train de nous regarder un tourbillon. Et puis là, il bah, y a la suite du tourbillon avec euh, le Kyogre. Donc c'est vraiment voilà, deux très très jolies cartes promotionnelles. J'ai jamais eu le Rayquaza, mais euh, d'un autre côté, je ne le trouve pas exceptionnel, euh, le Rayquaza euh, promotionnel. Donc voilà pour les euh, deux promos euh, des PokéBox légendaires. Ensuite, Gale King X. Donc si je vous fais ce top, c'est aussi bien sûr pour vous montrer un petit peu ma collection. C'est une façon assez ludique de vous montrer ma collection euh, de cartes. Voilà, vu que vous me demandez souvent de vous montrer ma collection. Donc, Gally King très jolie. C'est une carte de gardien de cristal. Encore une fois, elle est super jolie. J'aime beaucoup les cartes où il y a euh, genre 3 attaques. Je trouve ça vraiment euh, pas mal. Et donc, euh, bah, j'aime beaucoup. Le, le fond est très joli. Euh, en rouge avec les flammes. C'est vraiment une superbe carte. Et puis, le, le graphisme des cartes du BlockX, les petits points, c'est la vie. Ensuite, nous avons un Persian X. Donc, celui-là, David me l'a offert euh, il y a très peu de temps dans le Swap 5, il me semble. Donc, voilà, c'est une secrète, cette carte-là, une secrète de la série Force Cachée. C'est la 116 sur 115. C'est le Persian X de Roquette. Et il est plutôt sympa. Moi, je l'aime bien. Après, je trouve la carte plutôt sombre. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à cette place-là, je pense, parce qu'elle est assez sombre. Mais euh, j'aime beaucoup Persian. C'est un Pokémon que j'ai toujours beaucoup apprécié, beaucoup plus que Miaus, en tout cas. D'ailleurs, quand j'avais le poster et en petite et je regardais je me disais mais persian il est tellement plus beau que miaou je comprends même pas comment de ça peut sortir un aussi beau pokémon donc voilà pour le persian Ensuite, nous avons Libégon X, très très jolie carte, encore une fois que j'ai eu il y a pas mal de temps. Euh, C'est une carte de gardien du pouvoir, donc une des dernières séries, même la dernière série euh, du bloc X avant de passer au, blanc, au bloc Diamant et perles, Elle est plutôt jolie, j'aime bien, le fond orange, ça fait super bien sortir euh, le Libégon qui à l'époque commençait à avoir des petites illustrations en 3D, voilà, donc euh, c'était... Um, Michuko Arita il me semble que c'est ça, c'est un illustrateur assez connu, il me semble. Voilà, d'ailleurs, euh, je crois que beaucoup de cartes du Block X ont été illustrées par les mêmes euh, illustrateurs, c'est toujours euh, les mêmes assez emblématiques euh, qui illustraient un petit peu comme HGSS où on avait le même illustrateur qui a illustré, euh, genre, toutes les cartes de, de HGSS, genre, assez drôle, enfin, au niveau des ultra rares et euh, des illustrations de boosters. Ensuite, on est parti avec une carte de Team Rocket Return, alors, c'est une carte anglaise euh, pour la simple et bonne raison que Team Rocket. Return est une série du block X qui n'est jamais sortie en français, un sécateur, je l'ai eu dans mon ouverture de display Team Rocket Return que j'ai fait euh, pour mes 4000 abonnés, ça date maintenant d'il y a assez longtemps mais je suis très contente d'avoir ouvert ce display même si maintenant c'est genre introuvable alors qu'à l'époque je l'avais eu euh, pour beaucoup 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 moins cher que ce qu'on peut le trouver maintenant, si on peut le trouver bien entendu donc voilà avec le R de la team Rocket, très très jolie carte. Moi je l'aime beaucoup. Après voilà parmi les trois ex que j'ai eu dans le display, c'est celle que j'aime le moins. Vous retrouverez les deux autres un peu plus loin dans le top. Ensuite nous avons le Raichu X, super sympa, de X Emerald Je suis très contente parce que maintenant je connais euh, tous les sigles et les séries associées à force de regarder. Euh, très très jolie carte encore une fois avec les éclairs dans le fond, le fond rouge et le Raichu. Après je trouve que le Raichu est pas non plus dessiné euh, super, euh, super bien, mais encore vous voyez Mitsuko Arita. Euh, voilà, j'aime pas trop le dessin, je trouve qu'il est un peu obèse en fait le Raichu sur ce dessin. Je sais pas pourquoi à l'époque Pikachu et Raichu, il est dessiné en tant que obèse, euh, pourquoi pas, mais euh, voilà, il... La carte est très très jolie euh, quand même. Euh au Final, donc c'est bien. Ensuite, nous avons le Farfuret X. Donc, celui-là, on l'a eu euh, dans, une, euh, dans une brocante et euh, il était neuf. Et, genre, on a eu tellement de la chance. Le vendeur était là. Euh, ça, il, dit, il nous a dit que ça faisait trois ans qu'il faisait euh, cette brocante et que ça faisait trois ans qu'il a porté sa boîte avec euh, ses cartes et euh, personne n'avait jamais pris euh, ses, 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 sa, sa boîte. Alors que euh, les, les cartes étaient toutes neuves, c'était que des cartes du bloc X. Il y avait des X, des holos, des rares. Enfin, c'était un truc de malade. Je crois que David vous a d'ailleurs. Fait un retour de brocante avec euh, avec cette réception, mais euh, moi j'aime beaucoup cette carte Farfuret X. Voilà, elle est vraiment sublime. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime beaucoup en plus. C'est Ruby Saphir la première série du Bloc X, donc ça représente beaucoup. David aime beaucoup euh, ce genre de carte, donc voilà, très très jolie ensuite nous avons gros doudou ex, gros doudou ex super donc de légende oubliée alors celle-ci je comprends pas pourquoi je l'ai en double je l'ai acheté deux fois euh, voilà je l'ai acheté une deuxième fois croyant que je ne l'avais pas au final je me suis rendu compte que je l'avais déjà donc euh, voilà bon si vous avez des cartes X du bloc X hein, en neuve euh, n'hésitez pas à me contacter encore une fois pourquoi pas faire un échange un, un achat ce que vous voulez euh, ça me ferait plaisir une carte que vous voyez pas dans stop de préférence parce que du coup bah j'ai pas envie de les avoir en double mais elle est vraiment super jolie ce, ce gros doudou euh, le fond est super joli une espèce de je sais pas, des couleurs un peu euh, rose orangé un euh, dégradé très très joli, et puis beaucoup de place pour le film holographique aussi qui, qui fait que la carte est vraiment sublime, et puis j'aime beaucoup Gros Doudou, je trouve qu'il me rappelle euh, beaucoup de souvenirs, ensuite Armaldo X, une carte qui vient d'une Pokébox, c'est la Pokébox euh, Milo Bellus que je vous ai ouverte sur ma chaîne aussi, elle est en anglais parce que encore une fois c'est une carte qui n'est jamais sortie en français, et regardez-moi ce film holographique euh, qui normalement devrait être seulement sur l'image et sur les bords qui se retrouve aussi sur là où il y a les attaques etc ce qui fait de cette carte une carte assez unique quoique pas mal de cartes du bloc ont ce genre de défaut mais elle est vraiment très jolie je trouve c'est une carte de pop 1 hein. euh, bah du coup elle devrait peut-être exister en français oh, je sais pas parce que papa est sorti en français du coup moi j'ai la version anglaise après euh, j'en suis très heureuse voilà je suis très contente de cette carte elle est juste magnifique ensuite, Mewtwo X, très très belle de Ruby Saphir, waouh elle est vraiment sublime, cette carte là, je l'adore donc ben, un Pokémon très emblématique et euh, un des premiers Pokémon euh, X sortis. donc du coup ça représente pas mal de choses euh, à l'époque, voilà, c'était le début hein. l'holographisme, il savait pas trop comment faire là on a un petit trou dans sa main, on a l'impression c'est assez drôle, mais euh, j'aime beaucoup, la carte est assez sombre, encore une fois au tout début du bloc X, hein, ils avaient pas mal de cartes très très sombres, parce que sur, sûrement qu'ils n'avaient pas pas trop comment faire autrement je ne sais pas trop mais en tout cas elle est vraiment très très sympathique je l'aime beaucoup ensuite nous avons Tangalis X de euh, gardien du pouvoir donc une des dernières enfin la dernière série euh, très sympa j'aime beaucoup après voilà le fond vert fait qu'il est à cette place là franchement le fond aurait été d'une autre couleur je pense qu'elle aurait été beaucoup plus près dans mon top euh, 10 ou 20 je ne sais pas mais euh, voilà elle est quand même très jolie c'est une très très jolie carte ce Tangalis J'aime beaucoup Tangali, je trouve que c'est un joli Pokémon. Et puis après tout, le vert s'accorde très très bien avec le Pokémon. Donc on comprend, on comprend les choix. Ensuite nous avons euh, le Ronflex X, donc c'est le seul Ronflex il me semble du bloc X euh, en X bien entendu. Donc euh, le Ronflex X de la Team Rocket. Donc ça c'est la deuxième carte que j'ai eue dans Team Rocket Return. Euh, J'étais très contente de l'avoir parce que ce, ce Ronflex est vraiment drôle en train de bouffer ses feuilles et tout. Voilà avec l'ombre du Ronflex, le fond violet euh, qui fait un dégradé jusqu'au noir. C'est vraiment une très très jolie carte. Assez, euh, assez black, assez dark, mais c'est normal, hein, c'est euh, Team Rocket, c'est comme ça ensuite Elexprint X donc là c'est une carte de David que j'ai pris euh, il l'a eu d'ailleurs il me semble dans son ouverture des 300 000 abonnés je crois et elle est vraiment euh, sublime c'est Elexprint je l'adore ah quoi que non il l'a pas eu je sais plus, je, je, je crois qu'il l'avait déjà, oui, il l'avait déjà. Et, euh, et heureusement d'ailleurs qu'il l'a pas eu, du coup il l'a pas eu en double, c'est cool. Elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup le fond euh, noir et, et blanc. Super, super sympa, j'adore. Je suis totalement fan. Et puis euh, voilà, c'est ex c'est très joli. On aime tous cette série, enfin moi, moi personnellement j'adore, et David aussi. Après je ne sais pas si tout le monde aime, mais en tout cas la carte est vraiment sublime et elle rend super bien. C'est reparti du coup avec Groudon X de Légende oubliée. J'ai pas mal de cartes de Légende Oubliées. je suis contente. Euh, voilà, donc celle-ci, c'est David qui me l'a offert il y a quelques temps. Elle est vraiment magnifique, j'adore ce Groudon. Pourtant, je trouve qu'on a beaucoup de mal à le discerner avec le fond qui est de la même couleur que son corps et euh, le noir. Voilà, vraiment les ombres qui sont présentes partout. Le Groudon fait vraiment assez, euh, assez féroce, quoi. Il fait pas du tout gentil, mignon, mais il est vraiment très, très beau ce, ce, ce Groudon. -là. La carte est vraiment sublime. C'est de sublimes cartes. Toutes les cartes sont bien neuves euh, françaises, hein, si, euh, si, elles, si elles existent en français. Euh, et donc, du coup, j'en suis très très fière d'avoir une collection comme ça parce que c'est vraiment pas évident euh, d'avoir autant de cartes du BlockX à l'heure actuelle en neuve. Donc voilà, est vraiment sublime, je l'adore. Euh, rien à dire sur cette carte, elle est vraiment très jolie. Ensuite nous avons eh ben, le kyogre, du coup j'ai mis les deux à la suite, j'aime bien vous faire ça de temps en temps pour pouvoir vous faire une petite comparaison. Donc le kyogre par contre c'est une carte euh, qui est à David je lui ai offert pour Noël. Voilà donc si vous avez vu la vidéo de nos cadeaux de Noël, vous verrez que bah, je lui ai offert pour Noël, elle est vraiment super jolie, je l'adore, et puis je sais qu'il rêvait d'avoir cette carte depuis qu'il était tout petit, il avait jamais osé euh, se l'acheter, il l'avait jamais eu en booster, donc voilà, maintenant il l'a dans sa collection et elle est vraiment très très belle, sublime, je l'adore. Ensuite, Nostanfer X, super, celle-ci aussi est à David. Je crois que par contre, celle-là, il l'a eu en. Je sais plus, je sais plus, je crois que celle-ci, il l'a eu dans la vidéo des 300 000. Elle est très jolie avec le fond rouge, le Nostanfer violet. C'est vraiment une superbe carte au niveau des couleurs et puis le vert. Enfin voilà, plein de couleurs différentes, très très jolie carte. Ensuite, Tangalis X, donc un autre Tangalis cette fois-ci de, euh, pou euh, de non, dire pouvoir émergent, oui, euh, de euh, gardien de cristal. Donc elle est vraiment super aussi. Encore une fois, les, les espèces d'effets bleus et blancs qui étaient aussi présents tout à l'heure sur le LXPrint il me semble, euh, de Xdeoxys. Très jolie carte, voilà, qui montre vraiment que l'effet, le, en fait, le, la, la marche du, du Tangalis. Je ne sais pas si vous comprenez le mouvement du Tangalis, voilà, très sympa, je l'aime beaucoup. Ensuite, nous avons DeoxysX de Ex Deoxys, Donc, ça, je l'ai eu en ouverture. Donc, je suis très heureuse d'avoir eu cette carte bah, de, de ma pioche. C'est toujours mieux quand on a les cartes soi-même dans les boosters plutôt que euh, de les acheter. Voilà, ça on s'y attache plus, je trouve. Donc, voilà, cette carte me tient vraiment à cœur. Elle est super belle. Et puis, c'était vraiment un super souvenir que cette ouverture de 4 boosters que j'avais fait pour mes un cap d'abonnés, je ne sais plus lequel, peut-être 30 000, quelque chose comme ça. En tout cas, bah, tout est disponible sur ma chaîne si vous voulez aller voir. Mais voilà, c'était vraiment une superbe superbe, un hein, super souvenir. Ensuite Jirachi X japonaise Donc ça c'est une carte qui n'est jamais sortie en français ni en anglais euh, Un petit Jirachi X assez rare c'est une promoplay donc les promoplays pour ceux qui ne seraient pas c'est des cartes en fait qu'on pouvait euh, gagner euh, acheter plus, plus ou moins avec des points Donc les points on les gagnait en euh, faisant des tournois En gagnant des tournois Et après voilà à chaque tournoi on, si on gagnait On gagnait des points Et avec ces points à la fin on pouvait s'acheter des cartes notamment euh, Mentali et Noctali Star qui, euh, valent énormément d'argent à l'heure actuelle parce que très peu de personnes ont réussi à arriver au bon nombre de points pour les avoir, qui étaient assez exubérants. Par contre, cette carte-là était un peu plus facile à avoir, euh, mais quand même assez compliquée. Donc, elle, elle vaut son petit pesant d'or. Elle est vraiment très jolie et moi je l'aime beaucoup, surtout que c'est en jirachi. Voilà, donc ça représente beaucoup. Ensuite, Altaria X, très très jolie carte. Encore une fois, ça je l'ai offert à David aussi pour Noël. Donc, Île des Dragons. On arrive aux cartes Île des Dragons. Je vous en ai pas du tout montré euh, jusqu'à présent. Donc île de dragons c'est une des dernières séries euh, du Block X encore une fois. Un holographisme qui a changé, euh, qui est plus en aplat. Ça, ça rappelle un peu le holographisme qu'on a maintenant avec XY. Et elle est euh, très très jolie. J'aime beaucoup ce Altaria. Euh, moi j'aime beaucoup Altaria à la base et la carte est vraiment sublime. Des dragons, pour île des dragons. C'est mon type préféré, en plus le type dragon. Donc euh, je suis très contente de, de, de l'avoir offert à David. Ensuite, Deoxys X forme défense. Donc ça euh, c'est une carte à David encore une fois. Euh, très sympa. Je J'aime beaucoup aussi, encore une fois, ce petit effet, vous voyez qui est assez récurrent sur les fonds, bleu et blanc comme ça, très joli. Pas grand chose à dire dessus, mis à part qu'elle est super cool. Hop, nous avons Rayquaza X. Ensuite, encore une carte que j'ai offert à David pour Noël. Euh, elle est très jolie, j'aime beaucoup. Donc, c'est une carte espèce Delta. Euh, elle n'est pas du bon type. Normalement, euh, Rayquaza n'est pas de type électrique. Mais comme cette carte est une carte espèce Delta, eh bien, euh, elle change de type. Voilà, c'est ce qui rend euh, ces cartes très originales et très jolies. Euh, c'est totalement euh, un peu what the fuck en fait. C'est ça qui est, qui est assez drôle. C'est qu'on pourrait très bien retrouver un, un drac au feu, par exemple, de type plante. Voilà, c'est pour vous expliquer. Donc voilà, c'est c'est les espèces Delta. Ensuite, nous avons Latios X. Est-ce que j'ai mis Latias pour aller avec Oui, Latias et Latios X. Très très jolie. Je les trouve assez équivalentes. Elles sont toutes les deux super belles. Donc, de Île des Dragons, pareil. Euh, donc, que dire sur ces cartes Je les ai depuis euh, pas mal de temps. Le latios a un petit souci par contre il a un point euh, ici. Je ne sais pas si vous voyez, voilà je l'avais acheté en neuf, malheureusement euh, le petit point euh, assez, euh, assez gros euh, a fait que bah du coup je l'ai passé à David, donc maintenant elle est dans la collection de David, mais euh, le Latios c'est moi qui l'ai Enfin c'est le mien quoi, je l'ai acheté aussi et lui est bien neuf, donc je suis très contente, les deux cartes sont sublimes, je préfère le latias au latios euh, parce que je préfère le rouge à la base, voilà tout simplement. Et euh, les cartes sont, sont toutes les deux très très jolies. Ensuite nous avons le Vasilis X de Timaca Magma. Ah je vous ai pas encore montré de Timaqua Magma, c'est vrai. Donc là celle-ci je l'ai eu en ouverture. Euh, J'ai ouvert des Timaca Magma pour mes euh, 1500, 2000, je ne sais, sais plus du tout quel cap, un cap d'abonnés encore une fois, un petit cap d'abonnés, mais à l'époque on fêtait tous les caps d'abonnés, voilà. Euh, et et j'avais eu cette carte en ouverture, j'étais tellement contente quoi d'avoir une ex en, en ouverture de Booster X. J'en avais ouvert 10 ou 12, quelque chose comme ça. Donc, c'était vraiment un super moment avec David et le Vasilis. C'était un truc de ouf. Ensuite, Ptera X de Tempête de Sable. Tempête de Sable, une série vraiment mythique du Bloc X, introuvable. Et ces cartes sont euh, vraiment très, très belles. Très, très dark aussi. Un peu comme Ruby Saphir, Normal, c'est euh, la deux ou troisième série euh, du Bloc X. Donc, voilà, le Ptera qui est noir, alors que normalement il est violet. Euh, et le fond euh, rouge, tourbillon noir. Vraiment très, très, très beau. C'est sublime. C'est une carte qu'il faut apprécier. Hein. Je pense pas qu'une petite fille de 5 ans aimera cette carte carte mais euh, sincèrement elle est vraiment très très belle et il faut apprendre à l'apprécier en fait au début je l'aimais pas forcément mais maintenant euh, je la trouve vraiment magnifique voilà Ensuite nous avons Régistyle X Sublime aussi. Cette carte là David me l'a offert. J'adore cette carte. L'effet mosaïque euh, des cartes de Légendes oubliées, c'est toujours des cartes qui m'ont fait rêver. Et j'en possède une, donc je suis ravie vraiment. J'adore ces cartes-là. Elles sont trop trop belles. Le régistil est trop trop beau. Waouh, j'adore cet effet mosaïque. Très spécial hein, qui n'est présent que dans euh, Légendes oubliées. Aussi Rouge Feu Feuille, il y a euh, Articodin, Sulfura Elector, il me semble, qui ont cet effet-là. Donc c'est vraiment super sympa. Pourquoi pas refaire ça dans le futur? Euh, ce sera cool. Ensuite, Latias X. Cette fois-ci de Ex-Dragon. Donc ça non plus, on n'avait pas encore vu de carte de ex-dragon. Sublime. Elle est vraiment très très belle. J'adore le fond. Euh, rouge et bleu. Donc il doit sûrement représenter Latios et Latias d'ailleurs. Et, euh, et le, le Latias qui est parfaitement... Euh parfaitement euh, mis euh, en valeur avec une, un, petit, un petit filtre lumineux d'ailleurs. C'est assez, assez beau, j'aime ai, beaucoup, j'aime beaucoup. Elle est très très simple, mais euh, c'est une carte du bloc X, quoi, pas forcément besoin euh, d'effets, euh, de 3D et tout ça, même s'il y avait un peu de 3D, hein, c'est le début de la 3D encore une fois, mais euh, vraiment très très belle, très très simple et c'est ce qui fait toute sa beauté, je trouve. Ensuite, Entei X de Team Rocket Return, donc ça c'est la dernière X que j'ai eu euh, et c'est ma préférée, elle est juste trop trop belle, j'adore Entei et euh, je trouve que ce Pokémon est euh, d'autant mieux euh, représenté. Les couleurs sont un peu différentes de d'habitude et, euh, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand l'illustration diffère de d'habitude. Et en plus, le cadre là, vous voyez une espèce de des de petites découpures comme ça, vraiment très très joli. Super. Ok, allez, c'est reparti avec Hippo Roi X à présent de X Dragon. Ah, celle-ci, j'étais contente de l'acheter pour rien du tout. Peut-être 18 euros, quelque chose comme ça. En oeuvre, c'est genre euh, trop trop bien. Donc voilà, elle est vraiment sublime, celle-ci aussi. Je l'adore. Assez ah, dark, encore une fois, le début euh, du bloc X. Très très joli. J'aime beaucoup le fond. Très sympa, avec plein de petits points de toutes les couleurs. Super, j'adore. Allez, ensuite, nous avons euh, Gardevoir ex, de Île des Dragons, celle-ci, je suis très contente de la choper aussi, Gardevoir, encore une fois, un Pokémon que j'adore, une espèce Delta, Gardevoir n'est pas du tout de type feu, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cette carte, c'est parce qu'elle est très originale, et euh, ça ressort vraiment bien avec euh, l'espèce le, de... on dirait des petites flammes, d'ailleurs, sur le Gardevoir, donc c'est assez drôle, quand même, ce genre de carte, j'aime beaucoup, ok Ensuite, Entei X de Timako Magma. Donc, dans mon ouverture Timako Magma. Bon, je vous spoil un peu toutes les cartes que j'ai eues dans mes ouvertures, mais bon, c'est pas grave. Si vous voulez aller les voir comme ça, vous savez un petit peu qu'est-ce qu'il s'est passé. Donc, en même temps que le Vasilis, j'ai aussi eu Entei Voilà, donc en 10 ou 12 boosters, c'était vraiment une superbe pioche. J'étais vraiment trop, trop, trop heureuse. Cette carte est sublime. Je l'adore. Elle est géniale, quoi. Voilà, tout simplement. Allez, on passe à Dratak X de... Je ne sais plus. <laughs> de gardien du pouvoir. Et d'ailleurs, il y a un de mes cheveux dans le protège carte. <laughs> ok, bon mais ben, c'est pas grave. Donc voilà, je vous la montre de plus près. Elle est très très belle, très très simple encore une fois, mais ça fait toute sa beauté. Un fond bleu tout simplement avec le Dratac, un petit contour blanc qui, euh, qui définit bien euh, le Pokémon et euh, tout simplement voilà. Très 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 simple. Et les cartes du bloc X sont assez simples pour la plupart, mais ça fait vraiment toute leur beauté. Allez, on passe à Dracolos X, euh, donc magnifique de Île des Dragons, j'adore Dracolos, vous le savez, c'est mon Pokémon préféré, et cette carte de Île des Dragons est juste sublime, euh, je ne sais plus si c'est David qui me l'a offert, ou si c'est moi qui l'ai trouvé, je ne sais plus, je sais qu'il y a un des deux que je vais vous montrer après, qui m'a offert, mais celle-ci, je ne sais plus, en tout cas, elle est trop trop belle, j'adore cette carte, encore une fois, une espèce d'Elta, Dracolos n'étant pas du tout de type plante à la base, mais euh, il, est, il est sublime, il est sublime, et puis euh, il est trop trop beau ce Dracolos, encore une fois, euh, avec un, un une espèce de tourbillon euh, et puis du vert partout autour du Dracolos. Ça fait vraiment toute la beauté de cette carte qui est vraiment magnifique. J'adore, j'adore. Ok, Dratak X à présent de l'île des dragons. J'ai ai vraiment mises euh, au début parce que, enfin euh, à la fin, fin dans, dans, mon, dans mes cartes préférées parce que j'aime beaucoup les cartes d'île des dragons. C'est d'ailleurs une de mes séries préférées. Donc euh, voilà, encore Dratak X de type O, assez drôle. Euh, D'ailleurs en fait j'ai l'impression qu'en fait à chaque fois il y a tout simplement des, des, des choses qui font penser au type de la carte Espèce Delta pour, euh, pour représenter un petit peu euh, le Espèce Delta dans toute sa splendeur. Donc très très jolie carte. Je l'aime beaucoup. Je ne sais plus comment je l'ai eue. J'ai dû l'acheter mais elle est vraiment sublime. J'adore. J'adore tout simplement le fond rouge et le Dratak euh, rouge et bleu. C'est sublime. Allez, on passe, euh, je ne sais plus s'il reste 10 cartes. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7 8 9 10 11 OK donc là c'est la 11e ensuite on passe au top 10 donc new magnifique magnifique je l'ai acheté à David encore une fois pour euh, Noël voilà donc euh, admirez ça quoi elle est trop trop belle, euh, même si le fond vert, euh, le mio est tellement beau que euh, franchement euh, ça ressort super bien avec le violet de la carte psy et euh, l'argenté. C'est vraiment une magnifique carte, je l'adore. Une carte de créateur de légende, on n'en avait pas encore vu, il me semble, de créateur de légende. Et euh, c'est une magnifique série qui est assez rare, je trouve, et euh, je l'aime beaucoup. Ok. On passe à la dixième carte, Dratak X, donc que David a eu dans son ouverture des 300 000 abonnés. Superbe carte, très très dark encore une fois, mais le fond rouge fait toute la beauté de la carte avec le Dratak et les ombres. Voilà, c'est vraiment tout un travail au niveau de, de l'illustration. C'est vraiment de l'art pour moi, les illustrations de cartes Pokémon. J'adore, je suis totalement fan de la carte. Ok. Ensuite, neuvième carte Aqualie X de Espèce Delta. Donc, je ne crois pas que je vous ai déjà présenté deux cartes d'Espèce Delta pour le moment. De euh, toute façon, il n'y en a pas énormément. Je crois qu'il n'y en a que 3 au final. Donc, c'est des évolutions. Elle est vraiment sublime, euh, je l'adore, j'aime beaucoup euh, les évolutions en X. Euh, D'ailleurs, je suis très contente qu'ils en ressortent. Là, ils vont en ressortir euh, très très bientôt euh, pour XY. Et euh, celle-ci est vraiment très très belle, j'adore ce Aquali. Euh, je l'avais acheté une petite somme à l'époque, mais je suis très contente de l'avoir à l'heure actuelle parce que c'est très difficile, même impossible, je pense, de la trouver en oeuvre. Donc, c'est parfait. Euh, septième carte, peut-être, je ne sais pas. weller Dex et eh oui, le petit Weller. Donc, ça, c'est une carte que j'ai offert à David pour, euh, je ne sais plus quel swap. Je ne sais plus, je ne sais plus, peut-être le... Non, 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 c'était pas le dernier. Peut-être le 4, du coup. Je sais plus trop. Oui, le 4, je crois. Euh, voilà, Wellord, magnifique. Un hein, Pokémon emblématique. Une carte de tempête de sable qu'on aime tous. Euh, qui est vraiment badass avec ses 200 PV de l'époque. Même si maintenant 200 PV, ce n'est plus rien. à l'époque, c'était un truc de malade mental. Avec super gros plongeon <laughs> et vagues diminutrices. D'accord, c'est assez enfantant. C'est assez drôle comme en sont écrits les attaques. J'aime beaucoup, en tout cas. Allez, on passe au top 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc allez, la sixième carte, Gardevoir ex waouh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là, je l'aime beaucoup, Tempête de sable, encore une fois, c'est assez drôle parce que c'est les mêmes séries qu'on retrouve dans les premières cartes, voilà, donc celle-ci, je l'ai achetée encore une fois, rien du tout, il n'y a pas si longtemps que ça, genre 18 euros, magnifique, le gardevoir est vraiment sublime, j'aime beaucoup sa robe qui est rose, bleu, verte, très très jolie couleur, et le fond pareil, très très coloré, c'est vraiment pour ça que j'adore cette carte, parce qu'elle est super belle, super colorée, et le gardeur est très très bien dessiné. Ensuite, nous passons à Pyroli X. Donc ça, c'est encore une carte d'espèce de Delta, il me semble qu'il y a Pyroli Aquali et euh, Voltali tout simplement, je crois. Euh, voilà, très 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 belle encore une fois le tourbillon blanc et bleu qu'on retrouve et le Pyroli qui est super bien représenté. J'aime énormément cette carte très très simple mais avec euh, le rouge de la carte, ça ça rend super bien quoi. les, les deux s'accordent très très bien, j'aime énormément. Magnifique. Ok, allez, on passe au top 5. Ah oui, c'est le top 5. Bah, je vous ai, ai, ai peut-être dit des bêtises, je ne sais plus. Je ne sais plus. Euh, Girachi X. Et oui, bah oui bah bien sûr, Jirachi X de Gardien de Cristal. Ce Jirachi qui est présent aussi sur l'illustration du booster. Très, très belle carte. Je l'adore. À l'époque, ça, ça fait plus de deux ans que j'ai cette carte, il me semble, ou un an et demi. Je l'avais eu aux enchères et je m'étais vraiment battue toutes les autres. Je les avais eu entre 18 et 20 euros. Et celle-ci, j'avais mis 26 euros. C'était énorme à l'époque pour cette carte pour moi mais maintenant euh, vu euh, vu le prix auquel elle doit se vendre à mon avis euh, je crois que j'ai fait une bonne affaire pour l'époque elle est vraiment trop trop belle cette carte de jirachi il me la fallait absolument c'était mon pseudo donc voilà j'ai enchéri coûte que coûte j'allais me mettre 30 euros alors que c'était vraiment énorme pour moi à l'époque donc voilà pour le beau jirachi avec les cristaux qui sont présents dans le fond super ok allez allez quatre cartes le top 4 c'est les secrète c'est les billes secrètes de force cachée que j'ai offert à David. Elle est vraiment incroyable cette carte. Je rêve de la voir depuis très longtemps et euh, je, je l'ai offert à David parce que je sais que lui aussi rêve de la voir. Et euh, lui faire plaisir, c'est me faire plaisir à moi aussi. Voilà, c'est comme si c'était notre carte à tous les deux. Et donc du coup, bah, je suis très heureuse qu'il ait cette carte dans sa collection. C'est avec le tourbillon vraiment sublime et les petites feuilles qui sont présentes. C'est vraiment une incroyable carte. Feuille spirale, ça doit être l'attaque il est en train de faire tout simplement et je l'aime énormément. Je sais pas ce que vous en pensez mais elle est vraiment tellement brillante, tellement jolie, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, la troisième carte Dracolos X de X Dragon, une carte introuvable, vraiment très chère, très belle. Euh, David avait galéré à l'avoir à l'époque, il me l'a offert pour, je sais plus, je crois que c'était peut-être nos un an, ou même moins non, non, je crois que c'était nos cinq mois, ou nos quatre mois, un truc comme ça, c'était assez drôle, et elle est sublime, quoi elle est tellement belle, le fond même s'il est vert, encore une fois, je m'en fous, il est trop trop beau, euh, j'aime beaucoup la pose en fait, du Dracolos, qui du coup, en fait, on dirait qu'il est un peu, euh, voilà, en fait on le voit de haut, donc, euh, ou de bas je sais plus, voilà, mais en tout cas, il est très 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 joli, j'adore, j'adore super, et avec le Draco, qu'on voit juste là. Ok, la deuxième carte, il s'agit de Ectoplasma X. Encore une fois que j'ai. Acheté à David. Euh, voilà, ça aussi, c'est une carte de rêve pour nous. On l'adore. Elle est trop trop belle. Euh, je sais pas, c'est une carte de rouge feu à feuille. Elle est sublime et euh, l'holographisme le, le est encore ultra présent. Ça, on adore quand il y a beaucoup de films holographiques et euh, le ectoplasma avec son sourire malicieux. La carte toute violette avec juste les yeux rouges du ectoplasma ça, euh, ça, ça envoie du lourd, quoi. Ça envoie du lourd. On adore, on adore. Elle est vraiment magnifique et je trouve qu'elle mérite parfaitement la deuxième place dans ce top. Et, pour finir, quelle carte n'avez-vous pas vue euh, qu euh, qui, qui, qui est vraiment emblématique euh, des cartes X du bloc X il s'agit bien entendu sans surprise de Feux X voilà donc de Rouge vert, feuille, que j'ai eu dans mon ouverture des 150 000 abonnés que j'ai même eu euh... bon je ne vais pas vous spoiler si vous voulez aller la voir et que vous ne l'avez pas vue, allez voir cette ouverture euh, de, 250 euh, de 150 000 abonnés elle vaut euh, le coup mais vraiment 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 je vous jure hein, je vous mens pas euh, elle, est, elle est incroyable c'est la plus euh, la plus incroyable ouverture de ma chaîne euh, j'ai failli m'évanouir peut-être <laughs> en tout cas elle est vraiment sublime cette carte elle est incroyable oh, toutes les couleurs quoi le rouge à la base déjà le rouge est incroyable ensuite on a le draco feu qui est en train euh, de, de cracher une flamme qui est vraiment sublime. Là, on peut voir son aile, un début d'aile, l'autre aile, aile euh, le, le fond qui est vraiment génial. Enfin, je vous la montre de plus près. Elle est vraiment incroyable. Le fond est incroyable. Tout est incroyable. Et l'avoir en œuvre, c'est vraiment le Graal. C'est incroyable. <laughs> que dire de plus Avec un, une attaque à 200, avec 5 énergies feu réduire en cendres. Et elle envoie vraiment du lourd, quoi. Elle envoie du lourd, elle est incroyable, cette carte. Donc, voilà, c'est la fin de ce top. Il aurait duré un petit peu longtemps, mais euh, j'ai vraiment besoin de, de parler de ces cartes-là parce que c'est vraiment des cartes très, très emblématiques de Pokémon. Sans ce bloc-là, je ne pense pas que Pokémon en serait là où il en est à l'heure actuelle et qu'il n'y aurait pas autant de nostalgie qu'à l'heure actuelle. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura permis de découvrir des cartes ou de redécouvrir les cartes de votre enfance, de vous, de vous donner un petit peu de nostalgie, vous rappeler des souvenirs. Si c'est le cas, si vous avez apprécié cette vidéo... N'hésitez pas à la liker et dites-moi en commentaire votre ou vos cartes préférées, votre top 5, votre top 10 des plus belles cartes ex du bloc X. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt